Hello tout le monde, vous êtes bien sur 100% accessibilité. Je vais vous présenter l'iPhone 12 Pro Max. J'espère que ça va vous plaire. Moi, personnellement, je le trouve magnifique. Mais le seul truc qui change, en fait, c'est le look. Sinon, tout ce qui est à l'intérieur, c'est un 11. Mais bon, l'avantage, il tient debout tout seul. C'est peut-être stupide, mais au moins, ça peut servir à quelque chose. Là, je suis en train de filmer avec un iPhone SE 2020. C'est vrai que c'est pas un des meilleurs, mais il n'est pas ridicule. Franchement, c'est mon portable de tous les jours. C'est vrai que c'est pas GG, mais bon, ça fonctionne bien. Ouvre en boîte et on va ouvrir la boîte de l'iPhone. Vous regardez, deux boîtes juste pour un iPhone, monstrueux. Voilà, avec les écouteurs qui est dans la boîte blanche. Voilà, vous regardez la boîte, les écouteurs qui sont livrés avec. Et du coup, je montre à peu près les boîtes. Vous voyez, il y a une boîte un peu plus grosse que les autres, mais ils ont eu une petite idée, mais bon. Du coup, ils ont quand même mis des écouteurs sans fil, avec fil, pardon. Et du coup, c'est quand même cool qu'ils laissent quand même des écouteurs filaires. C'est vrai que les filaires sont pas terribles, mais bon. C'est comme ça. Et là, on va passer à l'étape la plus intéressante de la vidéo. C'est le déballage. On ne voit plus là. Voilà. Et on ouvre la boîte et voilà. Vous voyez ce punaise de téléphone, il est impressionnant. Voilà, on le prend et on retourne et on enlève l'étiquette après. Mais bon, voilà, il est impressionnant. Il brille un peu trop, je trouve. Mais bon, c'est le choix de la couleur, quoi. Faut choisir. Voilà, je tourne, et j'enlève l'étiquette. Tada! C'est vrai que il est impressionnant. On tourne. Avec un câble d'alimentation qui donne son chargeur. Du coup, le chargeur, c'est soit on regarde les anciens, soit on a cette note. Et là, c'est tout ce qui est notice d'utilisation du portable. Et dedans, ils mettent un petit autocollant Apple avec et